Cinq minutes. Cinq minutes. Bonjour, mesdames et messieurs. Good afternoon, everyone. The ceremony is going to begin in about 5 minutes. Notre cérémonie débutera dans environ 5 minutes. J'aimerais d'abord porter votre attention sur les portes de sortie à l'arrière de la salle et aussi de chaque côté de la salle. Donc, en cas d'urgence, vous pouvez emprunter la sortie qui est la plus près de vous. Ensuite, les portes principales se trouvent directement en face de la salle ici. Et les salles de toilette se trouvent à droite de cette salle quand vous sortez. En cas d'isolement ou de lockdown, un représentant s'occupera de verrouiller les portes et d'éteindre les lumières. Et nous vous demandons de rester silencieux et de demeurer calme jusqu'à avis contraire. Please notice the exit doors at the back of the room here, as well as on the left and on the right. These you can use in case of emergency. And once you're outside the hall here, the exit is directly opposite. There are also emergency exits at the ends of the corridors on the left and on the right. To access the public washrooms, upon leaving the hall, you turn to your right. And in case of a lockdown, an official will close and lock the doors and then turn off the lights. So we ask that you remain silent and calm until further notice. J'ai aussi quelques consignes à partager avec vous. Si vous devez sortir pendant la cérémonie, on vous demande de le faire discrètement. If you need to leave during the ceremony, we ask you to try and be as quiet as possible. Nous vous rappelons aussi qu'un photographe officiel prend les photos qui seront disponibles aux finissants et aux finissantes d'ici quelques jours. Alors, nous vous demandons de respecter son espace de travail au photographe et de ne pas bloquer son accès aux étudiants. I'd like to remind you that an official photographer will be taking photos during the ceremony. These photos will be available to our graduating students within a few days. We ask that you allow the person to do their job and please do not block their access to the students. La cérémonie sera aussi diffusée sur nos réseaux sociaux, YouTube et Facebook, dans les prochaines semaines. Vous pourrez aussi la revoir et envoyer le lien aux membres de votre famille pour qu'ils puissent visionner le tout. The ceremony will be available on YouTube and Facebook. You can watch it again in the weeks to come and send the link to your family members in the next few days. Et maintenant, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos appareils électroniques. We'd ask you now to please turn off all of your electronic devices, and we will begin very shortly. OK. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette 28e cérémonie de remise de diplôme du Collège Boréal. Je me nomme Marc Dépaty. Je suis le directeur des communications, des relations gouvernementales et de la Fondation Boréal, et j'aurai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui et d'agir comme animateur de notre célébration. Veuillez maintenant vous lever pour accueillir le cortège.
Mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à rester debout pour l'interprétation de l'hymne national par Kayla Fournier et Anna Marion, deux anciennes étudiantes du Collège Boréal. Fabrice, est-ce qu'on a l'hymne national? Ô Canada, ô Canada, terre de nos aïeux, ton Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant vous asseoir. En débutant cette cérémonie aujourd'hui, j'aimerais dire que le Collège respecte et tient à reconnaître et à honorer l'histoire et la culture des Premières Nations, des Métis et des Inuits sur l'ensemble des territoires partagés en Ontario. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur les territoires traditionnels de plusieurs peuples, dont les Mississauga de la Credit, les Chippewa, les Anishinaabek, les Haudenosaunee et même traditionnellement les Wendat. Ces territoires sont sujets au traité 13. Au nom du Collège, je tiens à remercier les communautés indigènes de leur collaboration et de leur contribution à la richesse de notre patrimoine. Permettez-moi aussi, en début de cérémonie, de vous présenter les dignitaires qui sont ici avec nous aujourd'hui. Je vous demanderai de réserver vos applaudissements pour la fin des présentations. D'abord, je n'ai pas besoin de ma liste, lui je le connais, le président du Collège Boréal, Daniel Giroux. À la fin. Madame Dada Gassirabo, membre du conseil d'administration. Monsieur Olivier Malaba, membre du conseil d'administration. À la vice-présidence à l'enseignement, Madame Lynn Michaud. À la vice-présidence du Centre Sud-Ouest, Madame Lise Belland. Le doyen de l'École des affaires et des services communautaires, Monsieur Jean Côte-Noir. La direction du campus de Toronto, Monsieur Gilles Marchildon. L'ancienne direction du campus de Windsor, M. Frédéric Boulanger. Au poste de registraire, Mme Paulette Bonin. Alors, je savais qu'il y avait beaucoup d'applaudissements. J'ai d'autres dignitaires, mais là, il fallait que la soupape soit ouverte un peu. Également présente, à la direction du Bureau de développement et de la Fondation, Mme Julie Nadeau, les gestionnaires postsecondaires des campus de Toronto et Windsor, Mme Diana Kumbaro et Jessica Tracy, qui sont ici devant moi, le gestionnaire régional de London, M. Abdoulaye Sako,
la direction des programmes d'accès et du centre d'évaluation, Mme Amélie Ouellet, la gestionnaire de Boréal en ligne, Mme Danielle Roy. Et finalement, nos invités spéciaux, membres de la communauté, je ne sais pas exactement qui est là et qui n'est pas là, mais je vais vous nommer les gens qui ont été invités. Si vous voulez vous lever, on se fera un plaisir de vous accueillir. Donc, tout d'abord, M. Alain Dobie, du Réseau en immigration francophone du centre-sud-ouest de l'Ontario. M. Loris Haig, président de Zenex Enterprises. M. Alexis Maquin, directeur général désigné du Club canadien de Toronto. M. Rajiv Bissessur, représentant en assurance et conseiller en fonds de placement chez Desjardins. Florence Genzebuoro, la présidente et directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto. Je n'ai pas vu Florence. Madame Barbara Ceccarelli, directrice générale des Centres Accueil et l'Héritage. Monsieur Mario Pierre d'Alpha Toronto. Madame Louise Jourdain, chargée des communications à l'entité 3 de planification des services de santé en français. Bienvenue à tous nos invités spéciaux. Et maintenant, je vous prie d'accueillir chaleureusement le président du Collège Boréal, M. Daniel Giroux. The president of Collège Boréal, Daniel Giroux. Chers membres du conseil d'administration du Collège Boréal, Mme Dadash Kassirabo et Olivier Malabar, distingués invités, collègues et amis, mesdames et messieurs, chères finissantes, chers finissants, bonjour, bouzou, Annie, good afternoon. Quel plaisir de vous voir tous et toutes réunis aujourd'hui lors de cet événement qui renoue après les années difficiles que nous avons connues avec nos grandes et magnifiques cérémonies de remise de diplômes comme qu'on l'avait avant la pandémie. Mais vous êtes acharnés, ou je vais dire même têtus, car vous avez fait preuve d'une grande résilience en vous adaptant à cette situation difficile. Malgré les ajustements nécessaires pour vous retrouver parmi nous afin de vous célébrer à la fin de vos études collégiales ou peut-être la poursuite d'un cursus universitaire ou même un post-diplôme avec le Collège Boréal, mais dans tous les cas, pour célébrer le début d'une nouvelle étape de votre vie. Cette journée fait et fera partie de votre histoire. Vous avez travaillé fort pour vous rendre à ce grand jour et vous avez bien raison d'être fiers. Vos parents et amis aussi peuvent être fiers. Sachez que toute l'équipe du Collège Boréal est très heureuse de voir un autre groupe extraordinaire de diplômés bien outillés pour le marché du travail. Nous voici, vous voici ensemble, prêts à célébrer tout le travail que vous avez accompli pour vous retrouver ici, aujourd'hui, afin de recevoir votre diplôme. Ce faisant, vous vous joignez à un club select qui compte plus de 21 860 diplômés depuis 1995, dont 516 diplômés cette année, et il va y en avoir d'autres cet automne. Chers finissants, chères finissantes, vous êtes sur le point de recevoir votre diplôme du Collège Boréal, un collège de langue française dont vous pouvez être très, très fiers. Un collège qui se démarque et qui, grâce à nos efforts, s'est classé encore une fois au premier rang pour le taux de satisfaction des diplômés et son taux de diplomation, et ceci parmi les 24 collèges de l'Ontario. Ce n'est pas un hasard, encore moins un accident. En choisissant le Collège Boréal, vous avez choisi un collège qui, en 23 ans, a reçu 17 fois la plus haute marque de satisfaction de ses diplômés, quel que soit le collège anglophone ou francophone. 23 ans. 17 fois sur 23 ans, le Collège Boréal a le plus haut taux de satisfaction des diplômés. Et l'année dernière, le Collège Boréal a fini un taux de satisfaction de 94 %. C'est du jamais vu dans l'histoire du réseau collégial.
Quant au taux de diplomation, 20 fois en 23 ans, nous avons été en tête de ce classement. Pas pire pour un collège francophone présent partout en Ontario et que vous avez eu la sagesse de choisir. Voir nos finissantes et nos finissants devenir des diplômés, wow, c'est notre raison d'être. Ça me fait chaud au cœur, année après année, de voir autant de potentiel, de fierté et d'espoir pour l'avenir de notre pays. Au nom de toute l'équipe du Collège Boréal, je vous remercie de nous avoir fait confiance et d'avoir choisi notre collège pour y faire vos études. Vous avez pu poursuivre votre formation auprès de professeurs hautement qualifiés et d'un engagement engagé, un personnel engagé dans votre réussite. Je les remercie donc chaleureusement en votre nom. Si nous sommes le meilleur collège d'Ontario, c'est grâce à leur travail assidu et surtout à leur dévouement envers votre succès. À l'occasion de cette remise de diplôme, je tiens aussi à féliciter les lauréats des prix accordés par le Collège Boréal cette année. Nous allons formellement les présenter tantôt. Dans un premier temps, le réseau en immigration francophone du centre-sud-ouest de l'Ontario, récipiendaire du prix de la présidence du conseil d'administration du Collège Boréal. Ce prix sert à souligner la contribution d'un organisme communautaire de ses membres au rayonnement du collège et de la communauté qu'il dessert. Pour ce qui est du prix de la présidence du Collège Boréal, qui est accordé à une entreprise du secteur privé, pour souligner sa contribution au rayonnement du collège et sa communauté qu'il dessert, permettez-moi, cette fois, de féliciter Zenix Enterprise Inc. Après plus de 25 ans de carrière au collège, j'ai appris quelques leçons de vie. Je vous en offre quelques-unes. Le seul endroit où le succès arrive avant le travail est dans le dictionnaire. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant de réussir. La plus grande erreur que tu peux faire dans la vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs, qu'elles font souvent partie de notre processus d'apprentissage. Et celui qui est très important pour moi, c'est la question de travail d'équipe, la définition d'une équipe. Et vous allez tous faire partie d'une équipe. Quand les choses vont bien, c'est facile. Mais lorsqu'il y a des défis, lorsque les choses vont moins bien, c'est là que tu vois la vraie définition d'une équipe. L'innovation, le respect, l'engagement, la passion. Vous êtes des futurs leaders. Donc, le travail d'équipe est et va continuer à être indispensable. Nous espérons vous voir, chers finissants, finissantes, que vous faites désormais partie de l'Association des anciennes et des anciens du Collège Boréal. Et qui sait, vous pourriez devenir un jour membre du conseil d'administration ou membre d'un de nos programmes, membre des comités consultatifs, un de nos programmes postsecondaires. Pour vous, notre porte sera toujours ouverte et nous vous considérons comme membre à vie de la belle grande famille du Collège Boréal. Alors, soyez fiers de vos racines, de votre diversité, de votre collège, fiers de vos accomplissements et surtout, fiers des belles personnes que vous êtes. Last but not least, I know that the support for parents, family and friends, has been essential in allowing the people we celebrate today achieve their goals and pursue their dreams. As such, I would like to sincerely thank you for encouraging your loved ones during their studies and for supporting them in this incredible journey at Collège Boréal. Encore une fois, toutes mes félicitations et tous mes vœux de succès dans vos projets à venir. Merci, Megwitch. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et maintenant, j'invite la vice-présidente à l'enseignement, Madame Lynn Michaud. Monsieur le Président, chers membres du conseil d'administration, collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, chers finissants, chères finissantes,
Bonjour à tous et à toutes. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous pour partager ce moment rempli d'émotions qui est l'accomplissement de vos études au Collège Boréal. Nous avons eu le privilège de vous accompagner pendant votre séjour. Je tiens à remercier toute l'équipe du secteur enseignement pour leur appui indéfectible au cours des dernières années. J'en profite aussi pour remercier tous les étudiants et étudiantes qui ont choisi le Collège Boréal. Le président du Collège vient de parler de nos excellents résultats pour les indicateurs de rendement, des résultats qui font de nous le Collège numéro 1 en Ontario. Quand on demande aux étudiants et étudiantes pourquoi ils ont choisi le Collège Boréal, on nous répond souvent « parce que c'est le meilleur collège en Ontario ». Couramment, on nous parle d'une deuxième raison, parce que c'est un collège francophone. Cet après-midi, c'est cette deuxième raison que je veux mettre en lumière, un collège francophone, un collège franco-ontarien. Quand j'étais jeune, bien oui, j'ai déjà été jeune, l'un de mes mentors, le regretté Gaétan Gervais, il me disait souvent, « Lynn, tu dois apprendre l'histoire franco-ontarienne. Tu dois apprendre d'où tu viens pour savoir où tu t'en vas. » Dans mon temps, à l'école secondaire, on ne parlait pas de l'histoire franco-ontarienne, des politiques d'aménagement linguistique et de la fierté franco-ontarienne. On parlait du français, et quand on parlait du français, on parlait de grammaire. Avec les années, les choses ont beaucoup changé. Nous avons obtenu la gestion scolaire de nos écoles et on fait vibrer dans nos écoles de langue française notre langue et notre culture à tous les jours. Même chose pour les collèges francophones. D'abord, retournons dans le temps. C'est au début des années 1990 que de nombreux jeunes ont lutté pour la mise sur pied d'un réseau de collèges francophones en Ontario. J'ai fait partie de ces luttes comme plusieurs membres de la communauté franco-ontarienne. Plusieurs jeunes, ainsi que de nombreux collaborateurs, ont mis sur pied des manifestations de grande envergure sur la colline parlementaire à Ottawa et à Queen's Park à Toronto. Ceci est devenu un véritable mouvement communautaire. Nous organisions des campagnes de mobilisation, nous bloquions les télécopieurs des ministres, nous nous rendions à Toronto avec des matériaux de construction pour construire notre réseau collégial de langue française en Ontario. Pendant des années, nous nous battions et nous réclamions nos collèges de langue française. Finalement, en 1995, le Collège Boréal voit le jour. Aujourd'hui, à travers nos 7 campus répartis de Hearst à Windsor, en passant par Ottawa, sans oublier notre campus virtuel Boréal en ligne, le Collège offre plus de 80 programmes postsecondaires en français. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, le français, avec ses 321 millions de locataires à l'échelle de la planète, est la cinquième langue parlée au monde. 20 millions de personnes de plus parlent le français aujourd'hui qu'en 2018, une croissance de 7 %. En Ontario, il y a 795 760 francophones et si on inclut les personnes bilingues, près de 1,1 million de personnes parlent le français. Le français est la deuxième langue la plus apprise dans le monde et la quatrième plus populaire sur Internet. C'est une langue en pleine croissance. Pour les entrepreneurs ontariens, avoir du personnel hautement qualifié, capable de travailler en français, représente une occasion d'affaires à ne pas manquer. L'Ontario n'atteint pas encore son plein potentiel en termes de commerce international en français dans les marchés existants ni dans le développement de nouveaux marchés. Le Collège Boréal est bien positionné pour contribuer à la globalisation de l'économie ontarienne francophone en effectuant des recherches, en formant des travailleurs et aussi en formant et en employant des entrepreneurs qui viennent d'ici ou d'ailleurs. Les francophones de l'Ontario jouent un rôle essentiel au développement et à l'épanouissement du Canada. Pour que les francophones réussissent, nous devons continuer d'assurer le respect de nos droits linguistiques, le droit de vivre en français, le droit d'avoir accès à une éducation en français et le droit d'être servi en français. Je suis confiante que vous, chers finissants et finissantes, vous saurez afficher fièrement votre francophonie. D'ici peu, ce sera la période des vacances.
Donc, quand ça sera le temps de renouveler votre passeport ou votre permis de conduire, je suis confiante que vous allez demander des services en français. J'ai confiance que vous allez inscrire vos enfants et vos futurs enfants dans les écoles de langue française. J'ai confiance dans l'avenir de notre francophonie. Nous pouvons être fiers de nos batailles et de nos accomplissements. L'avenir de notre francophonie nous appartient. L'avenir de notre francophonie vous appartient. Ensemble, continuons à célébrer et de mettre en valeur notre francophonie. Continuons à reconnaître et célébrer nos différents accents. Votre fierté et vos réussites sont au cœur de notre francophonie. Chers finissants et chères finissantes, c'est à vous de poursuivre le chemin. Les opportunités qui s'offrent à vous sont sans précédent. À vous de les saisir. Ne craignez pas d'afficher votre francophonie et de demander d'être servi en français. Soyez fiers de faire partie de la grande famille de la francophonie. Cet après-midi, vos efforts sont récompensés. Que le meilleur reste toujours à venir. Je vous souhaite de faire preuve d'ambition et d'aller au bout de vos rêves. Toutes mes félicitations et mes meilleurs vœux de succès. Soyez prudents. Bonne célébration. Merci. Miigwech. Thank you. Merci, Mme Michaud. Et maintenant, visionnons ensemble un message enregistré de la part de notre aîné autochtone du Collège Boréal, M. Richard Maillard. Ani, kwekwe, hello, bonjour. Nidij nakaz, zonde, nidodem, makwa, nidonjaba, witimigar sibi. Je m'appelle Richard Maillard. Il m'appelle aussi Strong Heart. J'appartiens au clan de l'ours, puis je viens des rivières des Français. Je suis métis, algonquin, et français, et métif. Pour avoir une bonne éducation, ça prend le vouloir et le faire. Aujourd'hui, c'est une bonne journée, une journée de séparation, parce que vous avez démontré que vous avez le vouloir de faire. Et voilà! Vous êtes ici, devant moi, gradué. Wow! Congrats! Vous êtes entouré de toutes les bonnes choses pour faire n'importe quoi que vous voulez faire dans la vie. Il y a bien des trous dans le chemin. Vous allez vous emparger de temps en temps. Mais si vous voulez garder votre focus, vos objectifs, puiser votre sagesse que vous avez reçue de vos parents et vos ancêtres, vous allez sûrement vous élever et continuer votre chemin. Si vous suivez un beau chemin, bien smooth, puis rien dans les jambes, les chances qui sont que le chemin-là va probablement nulle part. Choisissez quelque chose que vous allez aimer à faire. Soyez un leader qui rit, qui aime, en respectant toute création. Aidez à construire un meilleur monde pour vos prochaines générations à vivre. Je vous encourage. Pour avoir un bon succès, de suivre les 7 enseignements sacrés. Amour, respect, courage, humilité, sagesse, vérité et honnêteté. Vous allez voir, vous aurez un bon succès dans vos travaux. Vous faites maintenant partie des anciens et anciennes du Collège Boréal. You are part of Collège Boréal's alumni. Bravo! Je suis fier d'avoir fait partie de ce grand voyage avec vous autres, ici, au Collège Boréal. Je me dis à moi-même, c'est des moments comme ça, aujourd'hui, qui nous rappellent et qui nous renforcent l'énoncé de chaque enfant compte. Miigwech, merci, merci et thank you. Merci. Et maintenant, c'est un grand plaisir pour moi de présenter le prix de la présidence du Collège Boréal. Ce prix, comme le disait tantôt le président, reconnaît les efforts d'entrepreneurs ou d'entreprises du secteur privé ayant contribué d'une façon ou d'une autre au succès du Collège Boréal ou à l'avancement d'un ou de plusieurs dossiers pertinents. Zenex Enterprises, Inc., une entreprise qui travaille dans le domaine de l'information et des solutions techniques,
existe depuis plus de 30 ans. Ses activités appuient l'innovation et la croissance des entreprises dans plusieurs différents domaines, dont la construction, les services financiers, le gouvernement, la santé, l'enseignement supérieur, l'assurance, la fabrication, la vente au détail, l'alimentation et les boissons, ainsi que les organismes sans but lucratif. Zenex accepte des stagiaires et a embauché des diplômés du Collège Boréal. Pendant la dernière année, une des clientes de nos services d'emploi a bénéficié d'un placement au sein de l'entreprise. Cette première initiative laisse envisager une collaboration accrue en matière d'emploi, de formation et de développement de carrière. Zenex se distingue par son approche inclusive en matière de recrutement, ses valeurs à partager avec celles du collège et aussi par sa volonté d'intégrer les compétences multiples que la clientèle du collège peut offrir. I'd like to congratulate Zenex Enterprises on receiving the Collège Boréal's President Award for 2023. Et maintenant, j'invite le président du Collège Boréal, M. Daniel Giroux, a présenté le prix à M. Loris Haig, président de Zenex Enterprises. Félicitations encore une fois à M. Haig. Et maintenant, Mme Dada Gassirabo, membre du conseil d'administration, viendra présenter le prix de la présidence du conseil d'administration. Je vois rien. Bonjour, et le beau prix va cette année au réseau en immigration francophone du centre-sud de l'Ontario. Bravo! Ce prix est décerné pour les intimes, ce que nous sommes, n'est-ce pas? Donc, on vient tout juste de fêter ces 15 ans, le réseau vient tout juste de fêter ces 15 ans. Et 15 ans a augmenté vraiment le nombre d'immigrations francophones. Vous avez entendu qu'on a atteint les 5 %. Nous espérons qu'on va atteindre 10 % dans les prochaines années. Et, mais c'est quand même, c'est pour ça qu'on est toutes ici, surtout pour les personnes qui viennent de l'immigration. Ces 15 ans sont des 15 ans d'appui aux organismes dans l'accueil, l'établissement, des minorités, l'intégration socio-culturelle de sa population, des populations vulnérables, mais dotées aussi d'un sens dans l'entrepreneuriat et de la débrouillardise. Ces 15 ans pendant lesquels le réseau, le RIF, a créé des comités locaux en immigration en rassemblant tous les organismes francophones qui offrent des programmes et services aux nouveaux arrivants dans les diverses parties du centre-sud-ouest. Le Collège Boréal est très fier de collaborer étroitement avec le RIF, une collaboration qui s'étendra alors que le Collège sera l'hôte de l'incubateur en entrepreneuriat du RIF. S'il vous plaît, applaudissez ça. Et ça, c'est dans le cadre du projet de communautés francophones accueillantes à Hamilton et grâce au RIF. Hamilton a été aussi désigné communauté francophone accueillante, on se demanderait pourquoi, reflétant ses efforts visant une intégration réussie de nouveaux arrivants francophones et misant sur l'union dans la diversité. Notre passé commun et notre présent avec le
IRIF et CO ont été marqués par beaucoup de succès, mais je crois que le futur s'annonce même meilleur. Le CA du Collège Boréal est fier de vous remettre cette reconnaissance. Félicitations encore au RIF. Et j'invite maintenant le fameux directeur du RIFSO, depuis sa création, M. Alain Deby. Merci, Mme Gassirabo. Félicitations, M. Deby et le RIF CSO. J'aimerais mentionner également que le Collège Boréal décernera à sa remise de diplôme du 6 juin prochain un diplôme honorifique en affaires et services communautaires à Mme Joanne Gervais, directrice générale de l'Association canadienne-française de l'Ontario du Grand Sudbury, en reconnaissance de son engagement, de son influence décisive et de sa remarquable contribution à l'épanouissement de la communauté francophone de l'Ontario. Madame Michaud a fait référence à M. Gaétan Gervais. Joanne, c'est la sœur de Gaétan. Donc, c'est une famille qui a beaucoup animé la communauté francophone de l'Ontario en général. Alors, félicitations. Et je vous demande maintenant d'accueillir chaudement le directeur du campus de Toronto. Vous le connaissez très bien, M. Gilles Marchildon. Merci, Marc. Alors, M. le président du Collège Boréal, membre du conseil d'administration, mesdames les vice-présidentes, chères finissantes et chers finissants, parents et amis, et distingués invités. L'équipe entière de votre campus de Toronto et celle de Windsor se joignent à moi pour vous féliciter, chers finissants et finissantes. Nous sommes fiers de vos résultats et de votre réussite académique, bien sûr, mais nous sommes aussi confiants que votre cheminement au Collège Boréal vous a préparé à un avenir de succès et d'épanouissement, tant sur le plan personnel que professionnel. Cette cérémonie marque un moment important pour vous, mais également une transition, n'est-ce pas? Transition entre la vie étudiante et celle d'après, fort probablement dans le marché du travail à temps plein et de longue durée. Et c'est normal, comme pour chaque transition, de vivre diverses émotions, la joie, l'excitation, un peu d'anxiété, le goût de l'aventure, l'espoir. Le campus de Toronto vit également une transition. Les locaux dans lesquels vous avez assisté à vos cours et participé aux échanges se videront bientôt. En fait, ils disparaîtront complètement au cours des prochains mois. Et vous êtes la dernière cohorte à compléter ces cours au 1 rue Young. Mais pour une excellente raison. Au cours de l'été, nous emménagerons dans un tout nouveau campus qui se trouve dans le dynamique quartier historique et culturel de la distillerie. On a très hâte de s'y retrouver, mais cela nous fait ressentir un peu de nostalgie pour nos anciens locaux. On sait bien que plus rien ne sera pareil, que le passé ne se répétera pas exactement de la même manière. Peut-être ressentez-vous quelque chose de semblable cet après-midi en réfléchissant à votre expérience. J'aime dire que la vie, c'est le changement. C'est vrai, rien ne reste figé et nous sommes continuellement amenés à faire face à de nouvelles circonstances et à de nouveaux défis. Heureusement, on peut choisir d'avoir une attitude optimiste et positive, puis d'avancer avec confiance. La confiance est un des outils les plus importants à développer.
C'est clair qu'on ne réussira pas toujours, qu'on n'obtiendra pas tous les emplois convoités, qu'on n'atteindra pas nos buts à chaque fois. Mais on peut avoir confiance que toutes les expériences seront profitables, qu'elles nous permettront de croître. S'ajoute à cette confiance que vous avez pu gagner de votre expérience chez nous, vos compétences, ainsi que la volonté de continuer à avancer. Cette confiance repose sur l'appui reçu de la cinquantaine d'employés à Toronto-Mississauga, en plus de près de 40 professeurs à temps partiel issus du milieu professionnel. Et ce travail est soutenu par celui de plusieurs centaines d'autres membres du personnel partout en Ontario. D'ailleurs, je tiens à remercier notre président et notre conseil d'administration pour leur appui, ainsi que la vice-présidente du Centre Sud-Ouest. J'aimerais particulièrement remercier notre équipe locale en citant quelques personnes dont les noms vous seront familiers. Diana Kumbaro, gestionnaire du postsecondaire, son bras droit, Mary Jane Venpin, la conseillère Mimosa Tulina et plusieurs autres collègues qui jouent divers rôles d'appui, dont Angéline Tanon, Amadou Diallo, Pierre-Marie Nkunchu, Thomas Banjikila Banjakadja et Roger Acré, pour ne nommer qu'eux. Merci aussi à nos douzaines de partenaires communautaires, dont plusieurs sont présents aujourd'hui. Merci. Je voudrais également souligner l'excellent travail de nos collègues à Windsor, dont certaines et certains ont fait le trajet pour cette célébration qui nous réunit cet après-midi. Eux aussi ont connu des transitions et des faits saillants, tels que leur toute première cohorte dans le programme de soins infirmiers auxiliaires, avec 9 étudiantes et étudiants. D'ailleurs, la communauté internationale de Windsor s'est enrichie de 7 personnes, sans parler des améliorations apportées aux locaux de l'AGE, ainsi qu'aux 2 entrées principales. Au niveau de l'appui en immigration, il faut souligner 2 lancements. Celui du rapport sur le projet de recherche intitulé « Catalyser le plein potentiel des nouveaux arrivants » et l'autre lancement d'un programme de service pour appuyer l'établissement et l'intégration des travailleurs temporaires dans la région de Chatham et de Leamington. Comme vous le voyez, ce fut une année bien remplie dans vos campus de Toronto et de Windsor. Pour conclure, chères finissantes et chers finissants, sachez, comme on vous l'a dit, que vous serez toujours les bienvenus au Collège Boréal en tant qu'anciennes et qu'anciens. Je souhaite vivement que vous veniez nous voir dans la distillerie et je sais que l'équipe de Windsor tient ses portes toutes grandes ouvertes, pas juste celles qui ont été rénovées cette année. D'ici là, soyez fiers de votre réussite et ayez confiance dans l'excellence à la fois académique et professionnelle dont vous avez su faire preuve durant vos années au Collège Boréal. Mes plus sincères félicitations à toutes et à tous et meilleurs vœux de réussite. Merci. Merci, M. Marchildon. Et j'invite maintenant, pour la toute première fois dans sa carrière au Collège Boréal, la directrice de la Fondation à venir procéder à la remise des prix d'excellence et des bourses. Alors, j'invite Mme Julie Nadeau. Merci, Marc. Bon après-midi, chers finissants et finissantes. Monsieur le Président, membre du conseil d'administration et invité, c'est un plaisir d'être ici avec vous et partager ces beaux moments. Cette année, la Fondation a remis près de 1 200 bourses pour un total de plus de 1,3 million de dollars. Aujourd'hui, nous célébrons avec succès, mais aussi nos partenaires qui donnent et nous appuient avec leur grande générosité depuis plusieurs années. C'est grâce à vous que nous avons plusieurs réalisations remarquables à notre actif. Merci de vos contributions, chacun à votre façon, mais dans un seul but qui est toujours envers le succès de nos finissants et finissantes qui sont ici aujourd'hui. Nous allons maintenant poursuivre avec la remise des bourses. Puisque nous sommes rassemblés aujourd'hui, les diplômés du campus de Windsor et du campus de Toronto, nous allons souligner la remise des bourses un campus à la fois.
Nous allons débuter avec la remise des bourses à Windsor. J'invite Frédéric Boulanger, ancien directeur du campus, à venir remettre les deux premières bourses. La première bourse est d'une valeur de 250 $ offerte par Affilion Media. Cette bourse est accordée à un étudiant ou étudiante qui reçoit un diplôme ou un certificat du Collège Boréal. Il ou elle a la capacité de travailler en équipe et d'aider les autres. La lauréate ou lauréat s'est démarquée parmi ses pairs et a fait preuve d'esprit d'équipe et d'attitude positive au cours de ses études. Le lauréat est Frédéric Kengmoué en technique de travail social. Félicitations, Frédéric. La prochaine bourse d'une valeur de 250 est offerte par l'Association rwandaise de Windsor. La bourse est accordée à une étudiante ou un étudiant qui reçoit un diplôme ou un certificat du Collège Boréal pour son implication et sa contribution aux activités de groupe. Le lauréat ou le lauréat a fait preuve d'engagement au cours de ses études. Le lauréat est Lamine Koyaté, préposé au service de soutien personnel. Félicitations et merci, M. Boulanger. J'invite Lise Bélan, vice-présidente du Centre Sud-Ouest, à venir remettre la bourse d'une valeur de 250 $ offerte par Unemployment Help Center. La bourse de persévérance est accordée à une étudiante ou un étudiant qui reçoit un diplôme ou un certificat du collège après avoir surmonté de nombreux obstacles ou de défis. La lauréate ou le lauréat aura fait preuve de persévérance et d'attitude positive au cours de ses études. La lauréate est Aminata Bokangwa, préposée au service de soutien personnel. Félicitations, Minata, et merci, Mme Bélan. La prochaine bourse d'une valeur de 250 $ offerte par les professeurs à temps partiel du campus de Windsor. Cette bourse est accordée à un étudiant ou étudiante qui reçoit un diplôme ou un certificat du collège qui est assidu et qui n'hésite pas à aider les autres. La lauréate ou le lauréat fait preuve d'un dévouement remarqué par tous et tous. La récipiendaire, Kima Kambadjou d'Almeida, en éducation en service à l'enfance, n'a pas pu se joindre aujourd'hui, mais félicitations. J'invite Catherine Gautry, professeure à Windsor, de présenter la prochaine bourse d'une valeur de 250 $ offerte par Women's Enterprise Skills Training of Windsor.
La bourse est accordée à une étudiante ou un étudiant qui reçoit un diplôme et qui s'est distingué sur le plan académique par son assiduité. La lauréate ou le lauréat fait preuve de courage et de détermination au cours de ses études. La lauréate est Emanuela Lukwebo Achuza. Prescience de la santé. Félicitations, Emanuela, et merci, Catherine. J'invite Jessica Tracy, gestionnaire à Windsor, à venir présenter la bourse d'une valeur de 1 000 offerte par le Club Richelieu de Windsor. La bourse récompense une étudiante ou un étudiant qui reçoit un diplôme et qui a fait preuve de leadership communautaire et qui est membre de l'Association générale des étudiants et étudiantes. Il ou elle s'est également distingué par son bénévolat et son engagement auprès de ses pairs. La lauréate ou le lauréat fait preuve de leadership au cours de ses études. Le récipiendaire est Serge Gohou-Pipo, technique de travail social. Félicitations, Serge. Nous allons maintenant poursuivre à la remise des bourses pour le campus de Toronto. J'invite M. Rajiv Bissessor de la Sécurité financière Desjardins à venir remettre deux bourses d'une valeur de 250 chacune. Les deux lauréats sont Mohamed Bakayoko, technique des systèmes informatiques, qui malheureusement ne pouvait pas nous rejoindre aujourd'hui, et le deuxième est Aurélie Mulumba Chibola, technique en administration des affaires. Félicitations et merci, M. Bissessor. J'invite maintenant Gilles Marchidon, directeur du campus de Toronto, à venir remettre les prochaines bourses. Alpha Toronto offre deux bourses d'une valeur de 500 $ chacune. Les lauréats sont Louester Yuan, éducation en service à l'enfance, et Kawala Molongi Zoka, technique de travail social.
Félicitations aux récipiendaires. Merci, Gilles, de s'il te plaît maintenant présenter la bourse Dominique et Shivanji Mayu d'une valeur de 250 $ chacune. Les lauréats Cynthia Bacco, pratique en administration des affaires, et Emmanuel Kayambe-Irengue, adjointe juridique. Félicitations. Je viens d'être avisée que Mohamed est ici dans la salle. Désolée de mon erreur. Donc, si tu veux remonter et prendre ta bourse, s'il te plaît, de la Sécurité financière du Jardin. Félicitations. J'invite Jean Côtenoir, doyen des écoles des affaires et des services communautaires, à venir présenter deux bourses offertes par la boulangerie-pâtisserie Nord-Lyon d'une valeur de 250 $ chacune. Les lauréats sont Rita Rodby-Filali, technique en administration des affaires, et Joseph Pierrot-Ponman, technique de service système informatique. Félicitations, Rita et Joseph. J'invite à nouveau Lise Bélan à venir remettre la bourse M. Jean-Roch Boutin d'une valeur de 250 $. La lauréate est Aïssatou Gaye-Senghor, technique de travail social. Félicitations. J'invite Mme Louise Jourdain de l'entité 3 à venir présenter deux bourses d'une valeur de 250 $ chaque. Les récipiendaires de cette bourse sont Jesse Vakarchewicz, technique d'éducation spécialisée,
ainsi que Fresnel Poissy, Préscience de la Santé Voix. Fresnel, malheureusement, n'est pas pu nous joindre aujourd'hui. Félicitations aux gagnants et merci, Madame Jourdain. J'invite Monsieur Loris Haig, représentant de Zenex Enterprise, à venir remettre la bourse d'une valeur de 250 $. Le récipiendaire de cette bourse est Kevin Lewick Yepogi, technique de système informatique. Félicitations. J'invite M. Ali Lieno, professeur à Toronto, à venir présenter deux bourses d'une valeur de 250 $. Les récipiendaires de ces bourses sont Leila Kalala, technique de travail social, et Pegoti Norvelis, technique de travail social. Félicitations à vous deux. J'invite Mme Barbara Ceccarelli, directrice générale du Centre d'accueil Héritage, à venir présenter la bourse d'une valeur de 350 $. La récipiendaire Salma Bari, préposée au service de soutien personnel. Félicitations. J'invite maintenant Mme Lynn Michaud, vice-présidente à l'enseignement, à venir présenter les deux prochaines bourses. La première bourse d'une valeur de 500 $ du Centre francophone du Grand Toronto au lauréat Mathieu Torres, technique en administration des affaires. Félicitations, Mathieu. Madame Michaud présente maintenant la bourse Franco-Achat, une bourse d'une valeur de 250 $ au lauréat Rafik Koumad,
technique des systèmes informatiques. Félicitations et merci, Madame Michaud. J'invite Dada Gassirabo, la représentante de l'Oasis Centre des femmes du Grand Toronto, à présenter 4 bourses femmes honorables d'une valeur de 250 $ chacune. Les lauréates, Liliane Kwande Bambukana, technique d'éducation spécialisée, Phoebe Alexandrine Oudalus, éducation en service à l'enfance. Karine Ange-Roxane Guibré, technique en administration des affaires. Ainsi que Nancy Guibert, technique d'éducation spécialisée. Félicitations aux lauréates. J'invite à nouveau M. Gilles Marchidon à venir présenter la 2 dernières bourses de la journée. Ces 2 bourses de mérite de la Fondation d'une valeur de 500 $ chaque. Les lauréats Dorcas Michele et Jesse Vakachewicz, technique d'éducation spécialisée. Encore une fois, toutes mes félicitations finissantes et finissantes. Merci. Merci, Madame Nadeau. Je dirais que c'est pas mal pour une première fois. Hein? Et puis, pour toutes ceux et celles qui viennent de recevoir beaucoup d'argent, l'adresse courriel pour le virement électronique chez moi, c'est... Non, mais avec un peu de sérieux maintenant, on arrive à ma partie préférée de la cérémonie. Et j'invite notre registraire, Paulette Bonin, à prononcer les mots de circonstance. Bonjour, Monsieur le Président, membres du Conseil d'administration, Mesdames les vice-présidentes, chers collègues, à titre de registraire du Collège boréal, je déclare que les étudiantes et les étudiants admissibles recevront leur certificat ou leur diplôme conformément aux directives exécutoires du ministère de la Formation et des collèges et universités. Avant de procéder officiellement à la remise des diplômes, je voudrais vous apporter les précisions suivantes. Les étudiants se voient accorder une reconnaissance dès lors qu'ils ont obtenu leur diplôme ou certificat post-diplôme après avoir suivi avec succès un nombre minimal de cours au Collège boréal. Les diplômés qui ont obtenu une moyenne de 80 à 89 % dans leur programme d'études se voient décerner la mention « diplômé avec distinction ». Les diplômés ayant obtenu une moyenne de 90 % ou plus se voient accorder la mention
diplômé avec grande distinction. De plus, afin de souligner leur rendement exceptionnel au cours de leur programme d'études, les étudiants et étudiantes ayant maintenu une moyenne pondérée cumulative de 4,0 sont admis symboliquement au cercle du laurier d'or. À présent, j'ai le grand plaisir de déclarer cette cérémonie de remise officiellement ouverte. Au nom de toute l'équipe du Collège Boréal, félicitations et bon succès. Merci, Mme Bonin. Et donc, maintenant, le moment tant attendu. J'invite Mesdames Diana Kumbaro et Jessica Tracy, les gestionnaires des campus de Toronto et de Windsor, à venir faire l'appel des finissants et des finissantes pour la remise des diplômes. Bon après-midi. Quel honneur pour moi de vous présenter, nous présenter les diplômés du Collège Boréal. Les diplômés ici présents ont suivi leurs études à divers campus et sites du Collège Boréal, dans le campus de Toronto, Windsor, Sudbury et Boréal en ligne, ainsi que le site régional de London. Voici quelques indications sur la façon de procéder. Chers finissants, chères finissantes, lorsqu'on vous nommera, nous vous invitons à circuler à votre gauche, à monter les escaliers et retourner à votre siège en suivant les directives du personnel. Chers invités, nous remettons les diplômes et les certificats dans l'ordre dans lequel ils figurent au livret. Prière de prendre la photo et de retourner à vos sièges par la suite. Diplomas are distributed to graduates in the order in which they appear in the convocation booklet. Please follow with the booklet, step up to take pictures and return to your seat. Il est maintenant un véritable plaisir de procéder à l'appel des diplômés du campus. Maintenant que vous êtes officiellement diplômés, nous vous invitons à porter votre chapeau et transférer les glands de votre chapeau de votre gauche. Côté gauche, vers votre côté droite. Alors, la première étudiante dont j'ai l'honneur de nommer, c'est du programme technique des systèmes informatiques, Kitio Sumele Sara. Félicitations! Programme Accès Carrière Études, Dorcas Makanda. Bravo. Programme Accès Carrière Études, Malonga Laetitia Vanuele. Bravo et félicitations. Programme Accès Carrière Études, Nanu Zanuni. Programme Adjoint Juridique avec distinction, Kayembe Irenge Emmanuel. Bravo, félicitations. Programme d'administration en service à l'enfance avec grande distinction, Christina Clark. Félicitations. Programme administration en service à l'enfance avec grande distinction, Cometti Mélanie. Félicitations. Bravo.
Programme d'éducation en service à l'enfance, Ruth Nzi Amba. Félicitations. Programme éducation en service à l'enfance, avec grande distinction, Awale Nima Kaire. Bravo. Programme d'éducation en service à l'enfance avec grande distinction, Lydia Bavure. Félicitations. Programme d'éducation en service à l'enfance avec grande distinction, Benkirane Huada. Félicitations. Programme d'éducation en service à l'enfance avec grande distinction, Clarisse Canaza. Félicitations. Programme pratique en administration des affaires, Randiana Solo Steve. Félicitations. Programme de pratique en administration des affaires, Mohamed Magassa. Félicitations. Programme pratique en administration de bureau, Utara Afuarokia. Félicitations. Programme de pratique en administration de bureau avec distinction, Seya Jelika Cynthia Gabako. Félicitations. Programme en éducation, service à l'enfance, avec distinction, Luester Juan. Bravo. Programme d'éducation, service à l'enfance, WEDS, Marie-Fabiana Similienne. Félicitations. Programme technique en administration de bureau, Micheline Moussao-Kinzola. Félicitations. Programme d'éducation en service à l'enfance avec distinction, Phoebe Alexandrine Odalus. Félicitations. Programme éducation, service à l'enfance, avec distinction, Marie-Jeanne Mutombo. Programme d'éducation, service à l'enfance, avec distinction, Rosette Mayambu. Félicitations. Programme éducation, service à l'enfance, Myrland Schneider-Ludes-Guillaume. Félicitations. Je sais pas si elle a un diplôme. Programme d'éducation service à l'enfance avec distinction, Selou Kintenge. Félicitations. Programme d'éducation service à l'enfance, Aradana Devi Kudurun. Félicitations. Programme de technique d'éducation spécialisée avec distinction, Shalom Bafakolera Baraka. Félicitations. Programme technique de travail social avec distinction, Kawala Molongi Zoka. Oh!
Programme de technique de travail social avec distinction, Donna Atim Yassira. Félicitations. Programme technique de travail social avec distinction, Asiatou Guye Senghor. Programme de technique de travail social avec distinction, Serge Gobu Pipo. Félicitations. Programme technique de travail social avec distinction, Pegoti Norvelus. Bravo. Programme de technique de travail social avec grande distinction, Frédéric Kangmwe Chuonlaoui. Félicitations. Programme technique de travail social avec distinction, Leila Kalala. Félicitations. Programme de technique de travail social, Nathania Dorval. Félicitations. Programme technique de travail social avec distinction, Yamor Didier Dikese. Félicitations. Programme de technique de travail social avec distinction, Fatima Ali. Programme soutien en technique informatique avec distinction, Ousmane Bach. Programme de technique de système informatique avec grande distinction, Mohamed Bakayoko. Félicitations. Programme technique de système informatique, Cédric Dagmedion Gounou. Programme de technique de système informatique avec distinction, Abda Hakim Drai. Programme technique système informatique, Walid Vala. Programme de technique de service informatique avec distinction, Mamadou Dian Diallo. Programme technique de système informatique, Hafsa Dandani. Programme de technique de système informatique, Mohamed Sharkawi. Programme technique des systèmes informatiques avec distinction, Pasmi Balawi. Programme de tech. Okay. Just okay.
Programme technique d'éducation spécialisée avec grande distinction, Jesse Varkachuk. Programme technique d'éducation spécialisée, Dorcas Michelet. Félicitations. Programme technique d'éducation spécialisée avec distinction, Liliane Condé Bamboutana. Excuse. Félicitations. Programme technique d'éducation spécialisée avec distinction, Rulen Harerimana. Bravo. Programme de technique d'éducation spécialisée, Nancy Guibert. Félicitations. Programme technique éducation spécialisée, Christiane Bengali. Programme de technique en administration des affaires avec distinction, Mamadou Luda Baldé. Programme technique en administration des affaires avec distinction, Rachel Lily Désirée Balaka Mahel. Bravo. Programme technique en administration des affaires, Gang Chambigis Daryl Agnimel. Félicitations. Programme technique des systèmes informatiques, Salimata Kanta. Programme de technique des services informatiques avec grande distinction, Jijoho Kevin Loic Yekpagni. Programme technique des systèmes informatiques avec distinction, Brian Venpin. Félicitations. Programme de technique des services informatiques avec distinction, Joseph Piero Hugo Pona. Programme technique des systèmes informatiques, Herbert Steve Ngolo Yombi. Programme technique des services informatiques, Shakib Mahi. Programme technique des systèmes informatiques, Ahmed Lazrek. Programme technique des services de systèmes informatiques, Zacharia Lafel. Thank you.
Programme technique des systèmes informatiques, Zacharia Lafel. Programme technique des systèmes informatiques avec distinction, Rafik Koumad. Bravo. Programme technique en administration des affaires avec distinction, héritier Lundu Mbanda. Programme technique en administration des affaires, John Maibe Siaya. Programme technique en administration des affaires avec distinction, Karine Ange Roxane Guibré. Programme technique en administration des affaires, Zineb Daiki. Programme technique en administration des affaires avec distinction, Sophie Dimbawu Mukendi. Programme technique en administration des affaires, Umnia Bulman. Programme technique en administration des affaires avec distinction, Yuva Benjani. Programme technique en administration des affaires, Omar Harty. Programme technique en administration des affaires, Abdirafik Brahiti. Programme technique en administration des affaires, Mohamed Amin Belati. Programme technique en administration des affaires avec distinction, Khalil Berarak. Programme technique en administration des affaires, Supriyan Bassen. Félicitations. Programme technique en administration des affaires, Ruth Dina Saint-Just. Programme technique en administration des affaires, Ziad Dawa. Félicitations. Programme technique en administration des affaires avec distinction, Gita Rotbi Filali. Programme technique en administration des affaires avec distinction, Ayar Gouig. Félicitations. Programme technique en administration des affaires avec grande distinction, Anwar Ramli. Félicitations. Programme préposé au service de soutien personnel avec distinction, Salma Bari. Bravo. Bravo.
programme échographie diagnostique avec distinction Hervé Nzereka Kambale. Félicitations. Programme technique en administration des affaires, Steve Wilfred Awesome. Félicitations. Programme technique en administration des affaires, Christelle Nguyap. Félicitations. Programme technique en administration des affaires, Jean-Luc Ndala Yav. Félicitations. Programme de technique en administration des affaires avec distinction Aurélie Mulumba Chimbola. Programme technique en administration des affaires Isaac Mbemba. Bravo. Programme de préséance la santé, voie vers le diplôme avancé et le baccalauréat, Emmanuela Luquebo Achusa. Félicitations. Programme préposé au service de soutien personnel avec distinction Lamine Kouyat. Félicitations. Programme de préposé au service de soutien personnel avec distinction Aminata Bokanga. Félicitations. Programme technique en administration des affaires Mariama Souma. Félicitations. Programme de technique en administration des affaires avec grande distinction, Mathieu Torres. Bravo, Mathieu. Bravo. Programme technique en administration des affaires avec distinction, Ihab Twiki. Félicitations. Programme de technique en administration des affaires, Doussou Traoré. Félicitations. Programme technique en administration des affaires, Jafet Ndroy Yao. Maintenant que vous êtes officiellement diplômé, nous vous invitons à porter votre chapeau et à transférer le gland de votre chapeau de votre côté gauche vers votre côté droit. Ensemble, applaudissons chaleureusement tous nos diplômés. Bravo!
Vous pouvez vous asseoir, le cortège. Merci. Merci beaucoup, Mesdames Kumbaro et Tracy. Je dois vous dire, moi, j'ai raté l'occasion de participer à nos premières remises de diplômes en personne l'année dernière depuis 2 ans, et puis ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir. Alors, de ma part, personnellement, félicitations, mais moi, je ne suis pas important, vraiment. Il y a 2 finissants d'aujourd'hui qui veulent nous adresser la parole. Donc, j'invite le porte-parole des diplômés de Toronto, Kevin Loïc. Oui. Diplômé du programme de technique des systèmes informatiques, ainsi que le représentant des étudiants de Windsor, diplômé du programme technique de travail social, Serge Pipeau, à venir nous adresser la parole. Monsieur le Président du Collège Boréal, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Mesdames les membres du Comité de direction, Messieurs les directeurs de campus, très chers finissantes et finissants, parents et amis, distingués invités, c'est avec une grande fierté que nous nous tenons devant vous aujourd'hui en tant que représentants des finissantes et finissants de la promotion 2023. Je tiens tout d'abord à féliciter nos collègues diplômés pour leur travail acharné et leur réussite. Nous avons travaillé dur pour arriver à ce moment important de nos vies et nous avons réussi grâce à notre détermination et à notre persévérance. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Il marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager, mais également le premier jour du reste de notre vie. En ce qui me concerne, ces années passées au campus Boréal furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi, bien sûr, en émotions fortes, en rencontre et dans cette ambiance de stress et de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte du chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes, nous sommes restés solidaires, les professeurs, les membres de notre communauté étudiante et les personnes de l'administration. Ce diplôme que nous recevons aujourd'hui représente bien plus qu'un simple morceau de papier. Il est le symbole de notre dur labeur et de notre détermination à atteindre nos objectifs. Il nous prouve que nous sommes désormais des professionnels qualifiés et compétents, prêts à affronter les défis du monde professionnel et de la vie en général. C'est aussi le moment de souligner que ce diplôme ne représente pas seulement notre réussite individuelle, mais aussi celle de nos familles, amis et êtres chers. Ils ont été à nos côtés tout au long de notre parcours scolaire, nous encourageant et nous soutenant à chaque étape du chemin. Nous leur sommes redevables de tout cœur pour leur amour, leur soutien et leur patience. Pour ma part, je tiens à remercier l'administration du campus de Windsor, ainsi que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre cursus. Je pense en particulier à M. Frédéric Boulanger, jusqu'à récemment directeur de notre campus. Merci Frédéric. Je pense à Jessica Tressé. Merci Jessica, à Mariette Kalanga, à Julie Lipatou et à Catherine Gessré. Merci à tous. Merci également à l'ensemble du corps professoral, des hommes et des femmes dont l'ambition est de servir et de nourrir la nôtre. J'aimerais également remercier le corps enseignant du campus de Toronto pour son dévouement et sa détermination à nous fournir les meilleurs outils pour réussir. Nous ne serions pas là aujourd'hui sans votre expertise, votre patience et vos encouragements. Chaque jour, vous avez travaillé dur pour nous inspirer, nous motiver et nous éduquer. Et pour cela, nous vous en sommes profondément reconnaissants. Camarades finissantes et finissants, je connais plusieurs d'entre vous et depuis longtemps, et je sais que chacun et chacune d'entre vous a quelque chose de spécial.
Vous êtes créatif et créative, intelligent et intelligente de différentes manières. Alors, promettez-moi que, aussi cliché que cela puisse paraître, vous ne douterez jamais de vous-même. L'acteur Alan Alda a dit un jour, « Ne redirigez jamais votre doute vers vous-même. Riez de vous-même, mais ne doutez jamais de vous. » C'est pourquoi je compte bien vous voir conquérir la vie à votre manière fantastique et je sais que nous resterons en contact. D'ailleurs, il est temps de passer à la prochaine étape de notre vie. Nous sommes prêts à relever de nouveaux défis, à explorer de nouveaux horizons et à atteindre de nouveaux sommets. Nous avons la formation et les connaissances nécessaires pour réussir et nous avons la détermination et la volonté de faire une différence dans le monde qui nous entoure, réalisant nos rêves pour un avenir meilleur. Permettez-moi enfin de souligner l'excitation que nous ressentons à l'idée de faire partie de l'Association des anciennes et anciens du Collège Boréal. Nous avons enfin franchi cette étape importante pour devenir membre à part entière de la famille des diplômés de Boréal. Grâce à notre association, nous avons la chance de rester en contact avec notre alma mater et de contribuer à un sentiment d'appartenance qui nous unit. Nous sommes bien plus que des ambassadeurs et des ambassadrices. Nous sommes des membres engagés qui bénéficient des avantages offerts par le collège et liés à notre nouveau statut. Alors, chers amis, soyons fiers de notre diplôme qui nous ouvre les portes d'un avenir radieux. Félicitations à toutes et à tous et meilleur succès dans tous vos projets. C'est pour ça. Nous disons merci pour la Boréal. Merci Boréal. Serge et Loïc, je pense que c'est à nous de vous remercier pour cette belle collaboration dont vous avez fait preuve en faisant un discours ensemble et vos belles paroles inspirantes. J'aimerais aussi faire juste une petite note. On a beaucoup parlé de M. Boulanger là-bas comme l'ancien directeur du campus de Winnipeg. Mais il ne faut pas oublier que Frédéric n'a pas quitté le collège de Windsor, W.I., Windsor. Tu vois, moi, je suis déjà rendu loin, mais Frédéric n'est pas loin. Il est encore au Collège Boréal, c'est le directeur des services en immigration au Collège Boréal. Donc, il ne nous a pas quittés. Alors, quelques éléments logistiques avant de terminer formellement la cérémonie. Dans quelques minutes, le cortège va quitter en premier la salle, ensuite les professeurs, on vous demande de suivre, et enfin, nos diplômés pourront suivre. Le cortège du président, les professeurs, les diplômés, donc en l'ordre inverse. Et à la suite de la sortie du cortège, nous aimerions prendre une photo de groupe. C'est une tradition au Collège Boréal. Donc, nous vous demandons tous, diplômés et membres du cortège, de vous rassembler dans l'escalier à la sortie de la salle pour la prise d'une photo de groupe. Les membres des familles et amis peuvent bien sûr se joindre à nous pour prendre cette photo. Et n'oublions pas, s'il vous plaît, finissants et finissantes, les toges ne sont pas à vous. Il faut les remettre à la fin de la cérémonie. Et vous pouvez aussi, par exemple, les garder pour prendre des photos un peu partout ici, dans cet emplacement. Il y aura un léger goûter qui sera servi à l'extérieur de la salle, immédiatement à la fin de la cérémonie, mais après la photo. Et voilà pour les directives de la fin. Donc, avant qu'on se quitte, je pense que vous le savez tous, hein, c'est impossible d'avoir une belle cérémonie comme ça sans les apports de plusieurs personnes. Donc, j'aimerais remercier tous les membres du personnel du Collège Boréal qui ont contribué au succès de nos étudiants et de cette cérémonie. Merci. Tous nos partenaires communautaires qui acceptent des stagiaires, qui offrent des bourses. Un grand merci à vous. Les professeurs qui ont appuyé le succès de nos étudiants, merci à vous. Et bien sûr, à nos diplômés, félicitations et bon succès. «
Et voilà pour la fin. Je vous souhaite une excellente bonne fin de journée. N'oubliez pas, c'est rendez-vous à l'escalier pour la photo officielle. Le cortège du président quitte d'abord, ensuite les professeurs, ensuite les finissants. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci, Lise.